Bonjour, donc aujourd'hui une petite vidéo pour parler du phénomène de la subduction ou de la convergence de deux plaques lithosphériques, en particulier lorsqu'une plaque océanique vient à la rencontre d'une plaque continentale. Donc dans notre exemple, nous allons prendre la fosse des Mariannes qui sépare la plaque océanique Pacifique de la plaque des îles du Japon. Quand on étudie la sismicité à cet endroit, on s'aperçoit que les foyers sismiques ont une répartition bien particulière et qu'ils viennent s'enfoncer comme ceci sous les îles du Japon. Or, on sait que les séismes, normalement, ne peuvent avoir lieu que dans des roches rigides, c'est-à-dire que dans la lithosphère, qui n'a que, au maximum, 100 km de profondeur. Donc, comment expliquer ici ces foyers? Bon, en fait, la seule explication possible, c'est que nous avons ici la plaque océanique Pacifique qui est venue s'enfoncer sous la plaque qui soutient les îles du Japon. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe, regardons cette petite animation. Donc on va voir en fait qu'au niveau de la dorsale, du magma remonte, dépose des basaltes qui vont faire avancer la croûte océanique vers la croûte continentale. Au niveau de la fosse, la croûte océanique va s'enfoncer sous la croûte continentale. Ça va créer des séismes, ça va créer la fusion partielle des roches et ce qui va faire remonter du magma et expliquer en plus de la sismicité au niveau des Andes, le fort volcanisme que nous connaissons en Amérique latine. Donc en espérant que cette vidéo ait été utile, au revoir.